Les premières ventes ont été faites depuis avril 2012. Voilà. Vous avez commencé en avril 2012. En avril 2012. L'accueil du public. Parce que pour les produits comme Myrte et Eau de Vie, ça. Alors, pardon, on est là ? Tu avais encore coupé, Laurent. C'est reparti. Faut que tu arrêtes hein, maintenant. Mais du coup, nous, voilà, pendant votre absence, pendant la petite coupure de 4G, il y a trois produits phares chez nos amis de chez Négrone. Il y a alors l'eau de vie et la myrte que tout le monde connaît bien entendu. Et une création, c'est moi qui l'ai, c'est un apéritif. À base de prunelles sauvages et genièvre. Voilà. Tous les fruits sont originaires du gnôle, sont cueillis au gnôle. Santé, pardon. Santé. Allez, je vais. Et en ce qui concerne Pauline de Paris sur la Corse, elle, c'est de la myrte. Ben voilà, je vais trinquer avec vous, hein, tant qu'à faire. C'est aussi ça l'ambiance de la foire de Lourdes. Hop. Et voilà. Santé, à Zaloudé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le jingle RCFM qui vient de se faire entendre sur le champ de foire. C'est parce que nos amis de RCFM sont en direct. On va aller leur dire bonjour aussi. Voilà. C'est très frais, c'est léger. C'est très léger. Bon, il fait quand même 16 degrés. Hein. C'est vraiment. Voilà, ça se boit facilement. Non, c'est très frais aussi. Mais un peu plus présent quand même. Oui. Je vois votre sourire. Oui, effectivement. Messieurs. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Également. Merci. Quand on vous dit que c'est la convivialité, on dit bonjour à nos amis. Non, je peux plus, je peux plus. Une mini bastille qui nous vient de chez Ideli di Corti, qui est installée à Regno. Voilà, donc si vous voulez, là aussi comme d'habitude, si vous voulez les goûter, allez, juste une, on la coupe en deux, choisissez celle que vous voulez. Oignon ou trois poivrons. Je vais me faire un plaisir. Oignon. Ah, et j'aurai une petite pensée pour toutes les personnes que je vais interviewer par la suite. Et puis c'est les meilleurs. Merci. Et si on veut, bien entendu, vous êtes installé à Rennes, on peut venir acheter sur place. Bien sûr, n'hésitez pas. Et vous avez une page Facebook? Oui. Ideli di Corti. Et bien sûr, vous êtes avec votre smartphone en direct sur la page Facebook. Et donc, il vous reste environ 10 secondes pour partager le direct de Via Stel qu'on est en train de faire. Je compte 10, 9, 8. Je le ferai après, 8. Voir si je passe bien. Bon, d'accord, ça ira. Bonjour, venez d'où? Il parle pas français, mais en tout cas, il a fait coucou à la caméra. Va. Ah, il parle français. Un petit peu. On est en direct. Les Italiens sont aussi en vacances ici. Ils viennent aussi à la foire de Lourdes et tu t'appelles? Moudia. Alessandro. Alessandro, qui est avec nous. Pauline, arrête de vouloir te cacher. Oui? Je vais dire un truc à Pauline. Donc, sachez que derrière la caméra, il n'y a pas que Laurent Simon-Paul. Maintenant, il y a Pauline de Paris sur la Corse. Et Pauline, viens. Non, mais on va voir avec Pauline. Viens, coupe-nous ça en deux, non, si tu veux bien. Je ne veux pas, merci. D'accord, je ne veux pas d'oignon. Aline. Je ne peux pas. Oui, je sais que c'est bon. C'est ça que c'est tôt. Voilà, je suis obligé de laisser Bastel, je suis obligé de faire le tour parce que Aline, on la connaît, on va faire le bisou. Super bien. Je transpire un tout petit peu. Oui, moi aussi, on colle. Il fait chaud, mais l'ambiance convivialier. Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais comme d'habitude, des fondus de chocolat, des fruits frais surtout en smoothie, des pâtes à tartiner maison. Qu'est-ce qu'on trempe là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on trempe? On nappe, on trempe rien, mais on nappe. On n'a pas le droit de mettre un fruit et de faire ça, on n'a pas le droit. Non, c'est absolument interdit. Parce que j'ai super envie de prendre une fraise, de faire ça, Non, hein, copain. Hein. Non. Bon, je m'en sors bien. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bon, il faut que j'aille voir, il paraît qu'il y a eu un commentaire. Je suis sûr sur le fait que je n'arrête pas de manger et de boire. Pauline, viens avec moi. C'était quoi? Encore un petit peu d'oignon. Voilà, c'est bon, je rattaque à l'oignon, c'est gentil. Puisque j'ai loupé sur le chocolat, là, hein. T'as vu, j'ai essayé pourtant de négocier. Ils n'ont pas voulu. C'était quoi le commentaire, Pauline? Je te laisse. C'était un commentaire très sympathique du reste de l'équipe, bon, qui est un petit peu plus âgé que moi. Donc, forcément. Fais un coucou à la distillerie de Pietracorba. Je ne peux pas tout goûter, je suis désolé, sinon je ne vais pas réussir à finir. Mais merci d'être ici avec nous sur la foire. Et. Mané, éleveur producteur neuf, et on a déjà quelque chose avec eux sur Via Stel, de la charcuterie vraiment délicieuse, profitez-en. Ça, c'est tout le chemin qui vous amène vers l'allée des vignerons. Et c'est vrai qu'en allant vers l'allée des vignerons, on peut trouver toutes ces choses. Tiens, tatouage, maquillage, on en a parlé hier de tatouage. Elle s'est cachée un peu. Tu parles souvent de tatouage. Je sais pas, hein. T'as envie de te faire tatouer. Faudrait faire un petit quelque chose. Ça fait deux fois d'affilée que. Alors là, c'est qui? Anaïs Tatou. Anaïs Tatou qui nous fait donc... Bonjour, je m'installe, j'en peux plus. On est en direct. Super, elle est contente Anaïs. Hein. Puis elle n'est pas timide Anaïs. Hein. Ah, j'en peux plus, il fait chaud. Hein. Oui. Vous, alors là par contre, vous êtes super bien.
Moi, j'ai de l'air, là. Elle est dans l'axe de l'entrée principale de la foire. Elle a de l'air. Elle s'appelle Anaïs. C'est Anaïs Tatou. Et elle nous propose des plumes dans les cheveux. Des tatouages éphémères en paillettes et en encre. Et des maquillages enfants. Mais c'est tout éphémère. C'est tout éphémère. Donc, les plumes durent 3 mois à peu près. Bon, les plumes durent 3 mois et les tatouages en fonction du nombre de lavages. Oui, entre 3 jours et une semaine. C'est-à-dire que si Laurent fait un tatouage éphémère, chez lui ça dure. Oh, merci. Et vous êtes basé où si vous n'êtes pas ici? À Tchervionne. Ah, on va bientôt passer à Tchervionne. On va faire un truc sur la Castagnitch bientôt et on viendra vous faire de gros bisous parce que c'est une région qu'on apprécie particulièrement. Et je le dis à chaque fois, c'est vrai que quand on pense à Tchervionne, on pense au Père Olive. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, eh ben oui, mais quand on pense à Tchervionne, nous on pense toujours au Père Olive qui était un personnage, c'était le curé de Tchervionne, personnage Olive Tayadzou, qui est un personnage haut en couleur, qui a animé la paroisse de la région pendant des années, c'était assez exceptionnel. Oui, Laurent. Il faut juste préciser par rapport aux commentaires que Pauline n'est pas mineure, parce que quelqu'un pensait qu'elle était mineure et qu'elle buvait de l'alcool. J'ai pas l'air mineur quand même, hein, je sais. Non, mais je ne ferai pas, mais je rappelle que nous sommes sur le service public, on rappelle que nous sommes la télé publique et on ne pourrait pas admettre, comme dans tout service public, on ne pourrait pas admettre de faire boire des mineurs en direct. Hein ? Non, on nous suspecte. Alors Olivier Balbino, directeur des antennes de RCFM France. Ça va Yann, je vous vois déambuler depuis tout à l'heure, vous passez du bon temps. Je vois. Écoute, ça se passe plutôt bien. Ouais, super. On m'a suspecté d'avoir fait boire des mineurs en direct. Non, mais tu te rends compte. Pourquoi tu me pousses comme ça pour essayer... Non, pour que tu avances. Pour que tu avances. Non, non, parce que j'y vais, moi. Tu viens avec nous. Tu es en direct sur RCFM et sur Viastel, du coup. RCFM, oui, on entend, là. Alors, on entend. Ils sont là-bas. Laurent, je ne sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au plateau de RCFM. Ils sont juste à droite de la scène. Oui, il y a une scène. Oui, ce soir, il y a un concert. On en parlera tout à l'heure. Mais si vous êtes en train de nous regarder, ne quittez surtout pas la page Facebook de Viastel, mais profitez-en. C'est très bien ce que vous pour écouter RCFM. Vous pouvez aussi, ouais. Mais restez quand même sur Viastel. Allez, viens. Ciao Olivier. Nos amis, nos confrères de RCFM qui sont en direct, qui sont présents sur pas mal de foires. Et là-bas, il y a un monsieur avec. On va faire un quiz avec Pauline. Là-bas au fond, il y a un monsieur avec un micro et un casque sur les oreilles. Oui. Il s'appelle. Ah voilà. Je ne sais pas. Bon, pour nous, c'est un peu plus facile parce qu'il a la double casquette, puisque on vous l'a sûrement vu aussi à la météo de France 3 Corse Viastel. Il s'appelle Christophe Zagal et il est en direct avec... c'est qui de dos? C'est Jeannot? C'est le président de l'association? Il est avec le président de l'association. Je crois que c'est lui. Et est-ce qu'il va nous faire coucou de loin? Est-ce que tu crois qu'on ose, Laurent, essayer de s'approcher? Moi, je peux. Toi, tu es obligé de rester là? Mais comme il est en direct et qu'on a le respect... Fais attention, Laurent, si tu coupes la 4G, on n'est plus là. Hein. On s'approche discrètement. Je regarde s'il est en interview avec... Il est en interview avec qui? Avec Pascal Leonetti. Ah, meilleur sommelier de France qu'on a vu tout à l'heure. Et de Corse, oui. De France? Ouais, et de Corse à un moment donné aussi. Oui, mais de France, d'Europe, presque du monde. Christophe Zagaï en direct jusqu'à 19h, c'est ça? Me semble, oui. Jusqu'à 19h, Christophe Zagaï en direct depuis la foire de Lourdes. On lui fait un coucou. Est-ce qu'il va nous faire un coucou? Au revoir. Et il y a Pascal Léonette qui se demande pourquoi Christophe Zagaï en face de lui fait coucou de la main. Oui, on est à Lourdes et il y a des fois le réseau 4G qui est un peu limite. Regardez, des hommes, des vrais, des travailleurs. Ils sont là, ils sont à fond. Tout ça pour pouvoir ce soir vous proposer un concert. Où est-ce qu'ils sont? Regardez-les. Non, non. De qui tu me parles, Pauline? Du concert. Oui, mais là, c'est les vrais travailleurs. Oui, oui. Toi, tu me montres les gens au comptoir. Non, mais l'affiche. Ah, il y a l'affiche. Ah, bien joué. Ben, va jusqu'au bout, voilà. Ce soir, si vous êtes du côté de Lourdes, venez à la foire. Et si vous y restez un peu plus, il y aura le concert de Bande à part. Regardez. Les balances, ça sera à partir de 19h, hein, c'est ça. Et après, à partir de quelle heure le concert? Et hop, le concert à partir de 22h. Et bien sûr, c'est le groupe, c'est Bande à part. Et il ne faut louper ça sous aucun prétexte. Voilà. Je le coupe pas plus, je vous jure, ils sont à fond. Parce que comme d'habitude, dans ce genre d'occasion, ben, on est un peu à la bourre, on est un peu en retard. Et il ne faut pas les embêter plus que ça. Est-ce que... On fait un petit tour encore sur la dégustation, Pauline? D'accord. Tu sais qui c'est?
On va découvrir ça. On découvre ensemble, Laurent ? On y va ? Alors, regarde. Vous avez de partout, sur le champ de foire, des affiches comme ça. Ça, c'est samedi. Il est 17h30. Donc, on doit être, je pense, sur la dégustation de vieux muscat, avec le président de l'association, Christophe Giraud. Est-ce que c'est bien Christophe Giraud ? On va discrètement s'installer. Bonjour. On est en direct, nous aussi. Christophe Giraud. Qui ça ? Non, vous. Voilà. Je vous vole 10 secondes. On est en direct avec Viastel. On a fait le tour. Ce matin, on était avec Pascal Léonet qui faisait une conférence. Durant toute la journée, il y a des conférences, il y a des dégustations. Et en l'occurrence, on parle de muscat avec vous, c'est ça ? Voilà, muscat. Et en fait, le but, c'est d'expliquer aux gens que le muscat a une très longue histoire derrière lui et surtout a une très longue histoire devant lui. Parce que c'est un cépage et c'est surtout un vin qui est méconnu et qui est caricaturé, je dirais. Souvent, quand on dit muscat, on pense à quelque chose de trop sucré, de trop mielleux, de trop de pas rafraîchissant, alors que le muscat est particulièrement dans le Cap. Se développe de plus en plus et il arrive à avoir des... Il faut sortir de ces clichés. Tout à fait. Et justement, le premier muscat qu'on déguste, c'est un muscat sec, pas du tout sucré. Et puis quand vous dites muscat sucré, etc., oui, mais à quel moment on le boit ? Si on le boit au niveau du dessert, mais c'est fait exprès. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le muscat et sur les cépages insulaires, je vous rappelle qu'il y a des conférences tout au long de cette manifestation et qu'il y a aussi quelque chose qu'adore Laurent Simon-Paul, c'est ça. Vous ouvrez et vous sentez. C'est, il aime mettre son nez dans ses... dans ses... Alors, je ne sais pas comment c'est construit. Il y a vraiment l'odeur. Pour reconnaître les odeurs qu'on peut retrouver dans le vin. Et franchement, on va demander comment ça marche. Tiens, non ? Non, non, oui ? Si ? Mais si, on est en direct en plus, je vous préviens. Alors si vous continuez à dire non, à un moment donné, vous allez pas pouvoir. Vous avez le monsieur, il vous voit là. Voilà, viens. Mais moi aussi, regarde ma tête. Est-ce que tu peux être pire que moi ? Explique-moi juste comment ça marche. Ça ? On lève le cap. Mais je sais pas, j'ai pas regardé encore. Comment tu peux regarder ? Tu as des prospectus à la main et tout. Mais festival de Portichon, le petit festival. Depuis tout à l'heure, elle explique comment ça marche et maintenant elle veut pas. Bon, allez, alors vas-y, allez, bon. Venez tous où ? Au petit festival de Portichol. Ça se passe ? À Portichol. Ça se passe quand ? Ça se passe à partir du 18 juillet, pendant un mois, une fois par semaine. Et on y trouve quoi ? Des artistes corses. Et ensuite, un bal, à l'ancienne. Voilà. Ouais, comme quoi, finalement, faire un petit effort de transpiration. Et maintenant, c'est sur le visage. Laurent, on a fait le tour ? Pauline ? J'ai commencé avec toi, je terminerai avec toi. Si on terminait avec un petit tour sur l'allée des vignerons, parce que c'est comme ça l'axe central de... Ah non ! Non ! Fais un plan sur l'église. Fais un superbe plan sur l'église. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon micro à Pauline pendant que je regarde les différents commentaires sur notre page Facebook. Je vais laisser le micro à Pauline. On ne peut pas, Pauline, rentrer dans l'église parce que le réseau ne passe pas. D'accord. Mais je te laisse une minute pour expliquer ce qui s'y passe. En fait, à l'intérieur de l'église, il y a deux expositions, une de peinture et une de photographie. Et en fait, la photographe est ma mère, Laurence Biège. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler aussi. Et voilà, elle expose quelques œuvres. C'est dommage que vous ne puissiez pas rentrer, mais c'est sympathique. Elle s'appelle Laurence ? Oui. Voilà, on fait de gros bisous à Laurence qui fait une super exposition qu'on ne peut pas aller voir malheureusement. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Et si on allait faire deux photos et qu'on l'ajoutait en commentaire tout à l'heure ? Donc non, je charge Pauline d'aller faire deux photos, oui, de l'exposition de sa maman et de les mettre en commentaire sur le live Facebook qu'on est en train de faire. D'accord, super. Elle a le droit de boire de l'alcool, la petite mineure qui marche avec vous. Merci. Voilà, qu'elle te hache, je ne sais pas pourquoi. Olivier Babineau qui dit merci Frédéric, je balance. Et Stéphanie Thiard qui nous dit, avec cette chaleur, le vin, ça frappe, aïe aïe aïe. Bon, blague à part, super, cette foire du vin. Astazer, Stéphanie Thiard viendra a priori super ce soir pour, bon, ben, sûrement pour, bon, à part. Voilà, blague à part. Ça.
On repasse dans l'allée. Merci d'avoir été avec nous durant ces multiples live Facebook, puisque c'est vrai que suite aux différentes coupures que nous avons pu avoir, on a été obligé de relancer, mais c'est pas grave. C'est aussi ça les contraintes du direct, Pauline. Bah, c'est une manifestation qui est quand même très sympa et on est tous ravis d'être là. C'est sympa d'être venu aussi. Et si on devait dire... Ah tiens, un petit bonjour. Monsieur Balbino ne vieillit pas, semblerait-il. Frédéric Biagi nous dit ça. On fait un petit coucou à nos amis de RCFM et Olivier Balbino qui est présent sur la foire. Si on devait en quelques mots dire aux gens comment venir, pourquoi il faut venir, il y a jusqu'à demain soir. Allez, vends-nous la foire de Lourdes et en une phrase choc. Bah, parce qu'il y a plein de viticulteurs passionnés qui font un métier qui demande beaucoup de travail, mais qui sont souvent des gens très dynamiques et passionnés. Et il y a une bonne ambiance, c'est le début de l'été, on fait la fête. Donc, tout va bien, voilà. Laurent, super votre reportage, on s'y croirait. Merci de la part de Françoise et Angélique qui nous fait de gros bisous. Qu'est-ce qu'on fait? On vous abandonne? Au revoir. Bah oui, si vous voyez deux doigts devant la caméra qui font ça, c'est notre ami Laurent Simon-Paul. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de reprendre, de partager, de commenter, de publier ces lives Facebook. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera en direct. On sera où, Laurent, la semaine prochaine? Tiens, on sera où? Ce sera la surprise. On sera en même temps en Corse du Sud et en même temps en Haute-Corse. On sera, comme d'habitude, dans ta strade. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Ciao.